Salut à tous, amis gamers, amis gamers, c'est Sylar et bienvenue sur ma chaîne. Enfin, enfin, la bêta de Destiny 2 est disponible et je vous propose justement de la découvrir en let's play avec vous. Alors, donc là, nous sommes dans la création de personnages. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent Destiny 1, vous avez le choix entre 3 classes. Donc, il n'y a pas de classe supplémentaire prévue pour Destiny 2. Ça a déjà été annoncé. Donc, on retrouve le Titan, le Chasseur et l'arcaniste. Alors, dans Destiny 1, mon personnage, on va dire, mon main était le chasseur, on va dire. Là, je pense que je vais commencer avec un... Sur cette bêta, je vais prendre un arcaniste. Je vais changer un petit peu. Allez, c'est parti, on va prendre l'arcaniste et on va voir ce que le jeu a dans le ventre. Donc, je précise, c'est un let's play. J'espère qu'il n'y aura pas d'erreur au niveau des serveurs. J'ai déjà eu un petit message d'erreur tout à l'heure en voulant rejoindre, en voulant me connecter. Bon, là, ça a l'air d'aller. On va laisser place à la petite cinématique. Alors, on connaît bien le petit environnement de Destiny 1. Ikora, si tu m'avoues maintenant qu'il s'agit d'une blague, ça me fait mal de l'admettre, mais je serais impressionné. T'impressionné, Cade? Si tu crois que j'ai que ça à faire. Trêve de plaisanterie. Zavala, je suis tout à fait sérieux. Ça ne se voit pas? Ikora, vous avez quelque chose? Les systèmes de défense ligne d'horizon semblent avoir été sabotés. Les communications sont brouillées depuis le début des festivités. Aucun capteur ne répond de l'autre côté du mur. C'est peut-être dû à l'orage. Ou peut-être... Des infos des satellites? Il n'y a rien. C'est bien, non? Non. Il n'y a vraiment aucune trace. Où sont nos satellites? Ah oui, c'est pas bien. À vos stations! Tout le monde avec moi, maintenant! Donc voilà, cette petite cinématique nous met un petit peu dans l'ambiance, on va dire. On a pu s'apercevoir que la tour, donc le lieu, le hub de Destiny 1, l'endroit où les gardiens se réunissaient, a été attaqué. On va voir donc là ce que ça va donner. Est-ce que je peux créer mon perso? Là j'ai choisi ma classe, je sais pas si... Alors je pense qu'on pourra... Oui, enfin je suis même sûr qu'on pourra toujours créer son perso dans Destiny 2. Mais est-ce que la bêta va nous le permettre? A savoir que pareil, alors ça c'est une petite déception. C'est que vous pouvez pas charger les personnages de Destiny 1, vous pouvez pas récupérer votre perso. Je me souviens, il y a quelques années, Bungie avait annoncé que ça allait être possible. Et a priori, ils sont revenus en arrière. Donc là, ça sera pas possible. On va repartir avec une nouvelle création. Vous vous rappelez quand je vous disais de ne pas voler trop vite? On a toujours notre spectre qui nous accompagne. Alors, cette bêta, il y a trois modes qui sont disponibles. Donc, je crois qu'il y a la première campagne du mode solo. Donc il y a un assaut, donc certainement qu'on pourra réaliser à 3. Je ne sais pas si on pourra le réaliser dans plusieurs difficultés, ça j'ai pas vu de précision là-dessus. Et vous avez deux modes multijoueurs. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de faire plusieurs vidéos. Là je vais commencer par la mission solo. Et je pense qu'on
on s'arrêtera là pour cette première vidéo. Et je vous ferai, je dis bien, j'essaierai de vous faire une vidéo donc de l'assaut et une vidéo du mode multijoueur. Donc là, nous sommes directement en plein cœur de la mission. La cité. Donc, ok. Ok, je teste un peu le feeling des armes. Graphiquement, c'est quand même joli. Enfin, j'aime bien la patte Destiny. Enfin, Destiny pour moi, ça a été un de mes jeux préférés sur PS4. Il est circuit début difficile et beaucoup de personnes l'ont boudé à sa sortie, ont été déçus. Croyez-moi, à force de mise à jour, le jeu est vraiment devenu excellent. De toute façon, ça reste encore l'un des jeux les plus streamés sur PS4. Et c'est vraiment une tuerie, quoi. Toujours les petites grenades. Ici le commandant Zavala. Tous les civils sont sommés de se rendre au point d'évacuation et tous les gardiens sont attendus sur place. Notre cité survivra. Sur la glissade. Cade. Salut vous deux. Une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Zavala joue héros sur la place. Et moi, j'ai un rencard avec ce qui se trouve derrière cette porte. Ça sera vite expédié. Alors, pour ceux qui ne connaissent vraiment, mais pas du tout, Destiny, parce que bon, je pense qu'il... Malheureusement, j'ai envie de dire, tellement le jeu est excellent, qu'il y en a qui n'ont jamais mis la main sur le premier volume. Là, à première vue, vous pourrez penser que Destiny est un simple FPS. Non, pas du tout. C'est vraiment... Destiny a vraiment un aspect... J'aime pas trop dire ça, mais un aspect MMO, où vous pouvez... Vous avez des instances, des raids, donc les instances, quand je dis instances, c'est les assauts, vous avez des raids à faire d'une difficulté énormissime, et le but, bien sûr, de toutes ces missions, de toutes ces raids, de tous ces affrontements, que ce soit en équipe, en coopération ou directement en PVP, c'est bien évidemment c'est de farmer de nouvelles armes et armures. À la manière de par exemple d'un Diablo ou d'un MMO tout simplement. Et franchement, c'est vraiment exceptionnel. Le loot que l'on peut trouver dans ce jeu est énorme. Et je pense que dans Destiny, ça va être encore plus poussé, quoi. Alors justement, en parlant de ce loot, j'ai chopé... Alors non, je me trompe de bouton. J'ai chopé une nouvelle arme. On va voir si je peux l'équiper tout de suite. Donc une arme secondaire. Ah bah j'avais pas vu, j'ai... Ah, j'ai le revolver. Ça, franchement, c'est la classe de jouer au revolver. Donc là, c'était un fusil à impulsion, fusil d'éclaireur ou... un pistolet mitrailleur en exotique directement, donc on va l'équiper, on va voir ce que ça donne. Fusil à fusion en arme lourde et en armure, j'ai rien de particulier par contre, donc on va jouer au revolver. J'adore la classe, enfin j'adore l'arme revolver de Destiny. Vous avez bien sûr tout un arbre de talent, voilà, ça, je pense que rien vous apprend, tout un arbre de talent pour évoluer votre perso. Il fait pas mal de dégâts lui. Alors, un enterrement, comme vous avez pu le voir, j'ai déployé ma sorte de bouclier qui me protège en appuyant sur rond.
C'était pas volontaire. En laissant appuyer sur vous. Alors est-ce que c'est le fruit du hasard, ça s'est déclenché automatiquement. Mais normalement il semblait que je sais pas qu'il me semblait, dans des cibles premier du nom, pour justement débloquer sa compétence ultime, il fallait appuyer sur L1 et R1 en même temps. Alors ça reste à voir, est-ce que ce soit... Après c'est peut-être pas ma compétence ultime. Je connais pas bien la classe de l'arcaniste. La taille de cette chose, ça doit être l'ordre sommaire. Oh. Ah, la mitraillette là que j'ai en exotique, elle est pas mal. Elle envoie du pâté quand même. Pas d'attaquer la cité. Regardez le voyageur. Waouh. C'est classe. Bon. Il va falloir que j'aille là-bas. Comment y accéder ? Je sais absolument pas comment. Ah bah voilà, tout simplement. En passant par là. Spectre n'arrête pas d'appeler ses cabales la Légion Rouge. Ikora, t'as des infos? Seulement des rumeurs sur une faction de combattants d'élite cabale, prêts à tout pour servir leur commandant. Mais qui ils sont n'a pas d'importance. Ils attaquent le voyageur. Il faut le protéger. Négatif, le voyageur devra attendre. Il faut protéger la population coûte que coûte. Le voyageur? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, bah voilà, je l'ai ma supercharge, donc j'ai vraiment dit des conneries. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle capacité maintenant. En plus de L1, R1, L1 et R1, donc les grenades quoi. Vous avez la touche rond en plus maintenant, qui permet d'avoir une très belle capacité. Et bien sûr, la charge ultime. Alors je sais pas ce qu'elle fait, je vais un peu la lancer au pif, tant pis. Ah ouais, je suis à la tour là, je suis dans le hub de DC1. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, la classe! C'est quand même lourd. Hein. Cette Légion Rouge est bien entraînée, mais nous sommes meilleurs. Tant que tous les civils n'auront pas été évacués, nous tiendrons cette position. Ah, elle est complètement démontée, hein. C'est incroyable. Défendez, ok. Ces missiles, repliez-vous sous mon bouclier! Ne laissez pas franchir la porte, les navettes d'évacuation sont derrière. On est à la vague 2. Et
Des missiles, restez sous mon bouclier. Oula. Ah oui. D'accord. En voilà d'autres. Montrez-leur ce que valent les gardiens. Chaque vague, à mon avis, il y a un lancer de missile. Alors je me protège. On va reprendre les mitraillettes parce que là, ils sont nombreux. Navette vient de partir, mais le guide, il n'est jamais venu. Je pars à sa recherche. Je m'occupe de la place. Rejoignez Ikora. Trouvez le guide. On s'en charge, commandant. C'est un joueur qui est avec moi là. J'ai même pas fait gaffe. Ikora, le guide a disparu. Tu nous as déjà pris beaucoup trop. Légion Rouge, je ne t'accorderai aucune pitié. Ça va là. Elle s'occupe du guide. Vous devez vous rendre sur le vaisseau mère. Rendez-vous au nord de la tour. J'envoie Amanda Olivier vous chercher. Bungie avait promis comment dire, un test civil 2 beaucoup plus scénarisé. J'espère vraiment que. Enfin en tout cas pour cette pour ce début de mission, enfin de cette première mission Amanda de Test Civil, elle vous déposera sur le vaisseau mère. C'est quand même assez bon quoi. Pour le moment ça envoie du pâté. Alors on va se protéger. Ça va là? J'ai trouvé cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler. Il faut l'emmener vers le vaisseau mère, vite! Tenez bon derrière! Allez, mon grand! Faut se remuer! Ok, derrière. Mettez-leur quelques pompes pour bien placer.
voilà sur le vaisseau. Nous aider. Laissez-moi regarder. Ah voilà. Utilisons ce terminal. On devrait pouvoir y trouver un plan. Bon, le générateur de bouclier devrait se trouver dans la cale inférieure du vaisseau. À prendre l'arme lourde. Hop. Hey, où en êtes-vous? Eh, je commence à manquer de munitions. Bon, pour le moment, j'ai pas vraiment de chance. Après, je pense que c'est dû à la bêta. La bêta ne veut pas non plus tout nous montrer, mais je loot rien, quoi. J'ai pas d'armes, pas d'armure. Bon, c'était quand même assez rare. Enfin, les ennemis, on faisait tomber de temps en temps. Mais là, pour le moment, j'ai que dalle. J'espère en avoir un petit peu. J'en aurai certainement peut-être à la fin de la mission en récompense. Mais en tout cas, les ennemis ne lâchent rien pour le moment. J'avais pas vu. C'était chaud là. Bah c'est quoi toi? Allez viens ici. Je vais jouer, on va jouer.
qu'elle est longue cette première mission, hein. Le générateur de bouclier devrait se trouver droit devant. Détruisez les turbines et les boucliers devraient faiblir. Température augmente, ça fonctionne. Ça va là, nous avons réussi. Les boucliers sont désactivés. Ça va là. Alors, faut remonter sur... Ah bah, c'est à partir d'ici. Ah. Amanda, on se dirige vers le pont supérieur. Amanda ? Y'a quelqu'un ? Comment allons-nous nous en sortir ? C'est impossible. Bienvenue dans un monde sans lumière. Gardien, il se passe quelque chose. Misérable créature. Vous êtes faible, indiscipliné, retranché derrière ces murs. Des lâches qui ont oublié ce qu'est la peur de mourir. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Les gardiens ne méritent pas le pouvoir qu'ils ont reçu. Je suis Gaul, et votre lumière m'appartient. Magnifique. Bon bah voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo sur Destiny 2. Donc comme promis, on a fait la première mission du mode histoire.
Je vais essayer d'en faire d'autres. Donc, comme je vous ai dit, une sur l'assaut et une pour les modes multijoueurs de Destiny. En tout cas, franchement, cette première mission, elle envoie vraiment du pâté, quoi. Franchement, c'est vraiment, vraiment lourd. Je l'attendais déjà avec impatience. Bah là, je suis pressé d'être, si je me trompe pas, au 6 septembre. Bon, ça va arriver bientôt, encore heureux. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très, très, très bientôt, donc pour une prochaine vidéo sur Destiny 2. Tchuss!